Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter comment tu vas pouvoir mettre en place un tunnel de vente le plus simplement possible. Alors, avant toute chose, un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? Un tunnel de vente, c'est le principe d'attirer un prospect vers une page sur laquelle tu vas lui offrir quelque chose, un e-book, un livre audio, une formation gratuite, ce que tu veux, en échange de son adresse email. Une fois que tu as son adresse email, ensuite, tu vas le faire rentrer dans un autorépondeur qui, derrière, va te permettre de proposer différentes choses à ton prospect, qui peut-être à terme deviendra ton client. Donc, pour mettre ça en place, je vais te présenter un outil qui va te permettre de faire ça le plus simplement possible, en sachant que cet outil est l'outil le moins cher du marché. Avant toute chose, n'oublie pas, je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Si tu veux obtenir ton e-book offert sur le thème de l'affiliation, n'hésite pas à cliquer dessus, tu recevras automatiquement ton e-book par email. Je te retrouve tout de suite après le générique. Et nous revoilà. Donc, si tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, tu seras redirigé automatiquement sur cette page. Sur cette page, on va arriver sur l'outil en question. Et pour pouvoir commencer à accéder à toute l'interface de cet outil, il va falloir que tu t'inscrives directement en cliquant sur l'inscription gratuite. Donc pour cela, tu indiques ton adresse email et tu cliques sur inscription gratuite. Tu vas donc ensuite recevoir un email avec un lien d'activation. Tu cliques sur ce lien et ton compte est automatiquement créé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, tu te connectes directement avec tes coordonnées. Tu vas arriver sur cette page-là. Donc sur cette page, c'est l'interface même de l'outil en question. On va cliquer donc sur Menu et on va aller sur Fenêtre de conversion. Ensuite, tu vas arriver sur la page où là, tu pourras retrouver tous tes tunnels de vente lorsque tu en auras créé. Je t'invite à cliquer sur Créer un funnel. Et donc là, il te propose plusieurs choses. Il te propose soit de construire une liste, soit de proposer à tes prospects de leur offrir quelque chose en échange de leur adresse email, soit de leur proposer de s'inscrire sans leur donner un e-book, sans leur faire de cadeau. Je t'invite donc à cliquer sur le funnel lead magnet. Tu cliques ici et là, on va donner un nom à notre tunnel de vente. Donc, on va l'appeler tunnel de vente 1. Voilà. Et on va cliquer sur enregistrer et continuer. Et là, tu vois, il t'explique, et c'est ça que je trouve très intéressant avec cet outil, c'est que là, c'est quand même très lisible et c'est très compréhensible. Donc, par exemple, il t'explique que dans un premier temps, il va falloir que tu génères plus d'inscriptions. Donc, il va falloir que tu crées une page d'inscription, ce qu'on appelle aussi ni plus ni moins qu'une page de capture. Donc, on va cliquer sur Créer une page d'inscription. Là, il va te demander de trouver un template et celui qui te plaît le plus. Bon, bah écoute, on va aller chercher par exemple celui-ci, on va en choisir un et on va l'appeler page de capture. Et on va cliquer sur Utiliser. La page est en train d'être créée par le logiciel. Et voilà, ta page de capture est donc mise en place. Ici, tu vas pouvoir aller chercher ton logo. Comme tu le vois, après, cette page de capture est totalement modifiable, tu peux changer la couleur, tu peux changer ici, tu peux aller mettre ton propre logo. Là, tu double-cliques et tu peux écrire ce que tu veux. Par exemple, ceci est mon e-book. Tu valides. Hop. Tu peux modifier les emplacements de tes écritures. Tu peux très bien changer la photo si tu veux, tu peux rajouter des boutons, enfin tu peux faire vraiment toutes sortes de choses et ça je te laisserai découvrir au fur et à mesure en fonction de la stratégie que tu vas vouloir mettre en place et de la page de capture que tu vas vouloir créer. Une fois que ta page de capture est mise en place, tu peux aller directement cliquer sur Prochaine étape. Ici, il te demande de mettre une description de ta page de capture, donc tu peux indiquer une description de cette page de capture. À quoi ça sert? Ça sert simplement à ce que ta page de capture soit directement référencée dans les moteurs de recherche. Si tu ne le souhaites pas, tu as juste à cliquer sur le petit bouton juste en dessous qui te dit ne pas référencer dans les moteurs de recherche Google. Ensuite, ici,
c'est le lien de ta page de capture. Ici, tu peux choisir une page de remerciement, donc exactement dans le même principe, c'est-à-dire soit tu la personnalises toi-même, soit tu prends une template toute faite. Et une fois que tu es d'accord avec tout le paramétrage que tu as mis en place, tu cliques sur « Publier ». Et donc, tu vois, là, il nous dit que la page de capture est bien mise en place. On a zéro contact, ce qui est totalement normal. Maintenant, il te dit que là, il va falloir que tu crées ta page de téléchargement. Donc, on va cliquer dessus. Donc, pareil, tu choisis un modèle. Donc, moi, je vais reprendre le même. Donc, je vais appeler cette page « Merci » et je dis que je veux l'utiliser. Sur cette page, donc, même photo, même logo, tu changes le texte, t'indiques encore une fois, tu la paramètres exactement comme tu le sens et comme tu as envie. Et une fois que tu as paramétré cette page comme tu en as envie, tu cliques sur « Prochaine étape ». Donc, même topo, description, référencement sur le SEO de Google. Moi, personnellement, je ne veux pas. Une fois que tout est mis en place, tu cliques sur « Publier ». Et à la suite de ça, tu vas pouvoir créer des emails. Donc, bah, pareil, tu rentres dans ton adresse email. Et là, tu peux donc commencer à créer toi-même ton email et à utiliser ton autorépondeur. Une fois que tout ça est fait, tu peux aussi aller chercher la prochaine étape. Donc, comme tu l'as compris, c'est très facile à mettre en place. Et tu vas donc pouvoir te créer des tunnels de vente extrêmement facilement et les utiliser pour attirer des prospects, donc des adresses email, et par la suite transformer ces prospects en clients. Cet outil est extrêmement intéressant. Si ça t'intéresse, je t'ai mis donc le lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu seras redirigé automatiquement sur la page d'inscription de l'outil qui s'appelle GetResponse. Sache que cet outil est aujourd'hui le moins cher du marché. L'offre de base est à 13 euros par mois. Tu ne trouveras pas moins cher en fonction, en rapport avec ce que cet outil te propose. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, inscris-toi, teste déjà sur les 30 jours gratuits que tu as. La meilleure manière de savoir si cet outil te correspond, c'est de l'utiliser avant même de payer quoi que ce soit. Et c'est aussi, selon moi, le meilleur outil en fonction du tarif, bien entendu, qui te permet de commencer à mettre en place des business en ligne et à commencer à générer tes premiers revenus. Je t'invite à me mettre un gros pouce en l'air si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de partager la vidéo, de t'abonner et mets-moi des commentaires si tu as des questions. N'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt.